Alors, rebonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 3. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ah ouais, on doit aller chercher les conteneurs perdus. Donc, c'est parti. Allons-y. J'espère que... Salut mon grand. J'espère qu'on a sur nous les... Les trucs pour pouvoir réparer notre vaisseau parce qu'il est en mauvais état. Alors fais voir. Non. On n'a pas les trucs. Allez, on va aller les faire. Les avoir faites. Ah, on est bien chez soi. Je crois que j'ai de quoi bricoler quelque chose. Kit de réparation. Bien nos kits de réparation. Objet kit de réparation 2. Ok. J'espère que 2 ça suffira. On est parti. Pas trop mon domaine, mais on va te réparer. C'est bon, on va utiliser le deuxième quand même. Espérons que ces outils feront l'affaire. Ça ne change pas. Allez, c'est parti. À côté là, on va aller voir ce que c'est. Quoi ça? Verrou dessus, on dit. Ah, ok. Donc, ce qu'il faut. Il y a des choses ici. Une minute. Où sont les clés? Ah. Allez, voilà. Ok, on y va. J'espère qu'il colle toujours. Comment, t'es arrivé là? Peut-être un déchet pour vous, mais à moi, ça me sert beaucoup.
Les conteneurs. J'arrive dans la zone. Bien. Sers-toi du sonar, il repérera les conteneurs. J'ai besoin que tu ailles les trouver pour que je puisse les noter sur le manifeste. Et n'oublie pas de me dire si tu relèves des dégâts de notre côté. Entendu. J'arrive au premier conteneur. Le troisième, c'est le bon. 0384. Reçu. Un chargement de poupée Princesse Griffon. Quelqu'un va pas avoir son cadeau d'anniversaire. Des poupées? Mais... ce truc est immense. Bienvenue dans le monde merveilleux du fret international. Parfait. On dirait qu'il a coupé en deux un genre de tuyau. T'es dans le secteur... D'accord. D'accord, c'est un des tuyaux principaux. Peu importe. Continue. Je le barre. 0809. Du papier toilette? Du papier toilette? Du papier toilette. Ok. 11-06. Ah. Il n'est pas dans mon registre. Ou plutôt si, mais pas son contenu. L'histoire de recherche en eau profonde. Inquiétant. Je vérifie. Ah, ce conteneur contient des matériaux pour d'autres conteneurs. Bon, d'accord. Tim, je peux pas lire le numéro de celui-là. Non, il est trop endommagé. Ah, ça se passait trop bien. Tu vas devoir trouver un moyen d'y entrer. Le numéro est aussi à l'intérieur. À l'intérieur? Il a l'air plutôt... Écoute, tu vas... Je suis sûr que tu vas trouver un moyen. N'aie pas peur de l'endommager. Essaie, allez! Ça va me servir, ça. Ok. Hey, oh, voilà. Non. Merde. J'ai un conteneur en fuite. Je le suis au fond du rift. Attention, ne va pas te mettre en dessous. Impact. Il a fait s'effondrer un genre de caverne en contrebas.
un océan plus propre. Qu'est-ce que... Tim, il y a un... Ah, foutu machin. Comment il est arrivé là? Non, mais cette grotte est bien trop. Jamais il aurait pu... Tim, je sais pas si tu m'entends, mais il y a une épave ici. Un sous-marin. Un vieux. Je vais jeter un œil. Avant ça, on va aller regarder s'il n'y a pas des choses à récupérer au conteneur. Et ben si. Allez hop. Ah. Tellement de déchets. Il y a des mines. La flèche ici. On dirait qu'il est arrivé au fond avec de l'élan. Mais arrivé d'où? Totalement absurde. En tout cas, beaucoup de gens ont connu leur fin ici. Une mine. C'est de ça qu'on avait besoin pour ouvrir la porte à côté de la base. Celle qui était scellée. J'arrive pas à avancer plus. Pas d'ici. On dirait des mines. 30 ans après la guerre. Et on voit encore les cicatrices. Tous ces déchets qui pourrissent là. Pas de témoins, pas de coupables. Mais bon, on peut fabriquer des mines. Impossible par là. Dehors. Ça brille. Mais d'où ça vient tout ça? Tout doux. Des décennies quand la peau verte. Tu repars pas sans moi, hein?
Avec ça. Métal. Ok. Dodo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande où l'autre est passé. Pourvu que ça marche. Aucun signe de l'équipage. Aucun corps. C'est vraiment très étrange. Ah, ma tête. Qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable que ce truc marche encore après, quoi, 30 ans au fond de l'océan. Tu m'as dit que c'était nouveau. Comment? La même que la mienne. Mais cette grotte était fermée. L'épave y était enfermée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... T'existes vraiment? Attends. Non, reviens. Des munitions, on va les récupérer. Notre sous-marin n'est plus là. C'était... J'ai vu. Où est-ce qu'elle est partie? Je l'ai vu partir. Disparu. Y a rien ici. Tim. Je dois l'appeler. J'ai vu. Stan. Du calme. Tu peux pas parler à Tim dans cet état. T'es en plein délire. Je peux pas lui en parler. Il va croire que... Il va me faire évacuer. Ah, ma tête! Ah, oh, nom de Dieu! Ah. Il faut que... Là, le sous-marin. Que je sorte d'ici.
Dan, tu es là? Ouais. Ouais, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu faisais? Il y a un sous-marin ici. Un vieux. Deuxième guerre mondiale, je dirais. J'étais... Il y avait autre chose. Quoi? Calme-toi. J'arrive pas à te suivre. Ah, ça va. Ça va, je vais bien. Stan. Toujours là? Ouais. Ouais, je suis là. Je suis fatigué, je crois. Ouais. Écoute, on a listé tous les conteneurs manquants. Félicitations, etc. Retourne au module d'habitation. On dirait que tout un tas d'emmerdes arrive dans ta direction. Je vais bien. Je vais bien, c'est bon. Tout va bien, Tim. Si tu le dis, gamin, mais... Ne disparais plus comme ça, c'est mauvais pour mes nerfs. Tim, Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'épave, il y avait... J'ai vu... Peu importe. Je pensais... Tout va bien. Je rentre. Tout va bien, gamin. Quoi qu'il se soit passé, tout ira bien. Stan, une dernière chose. Emma a voulu t'appeler. Quoi? C'est là que l'histoire commence. Quand? Attends, comment tu... Je surveille pas tes appels, hein. Merc envoie juste un ping lorsqu'il y a une connexion avec l'extérieur. D'accord. Ok, bien. Ok, alors je vais l'appeler avant d'aller dormir. Bonjour, toi. Allez, on va améliorer notre tox. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que on va rentrer dans l'histoire. En route. Puis l'histoire va vraiment commencer. Très bien. Alors qu'il va faire demi-tour. On le retrouvera à un autre moment, la baleine. Come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take a leave and go. Some man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take a leave and go. Down, 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 down,
C'était une sacrée journée. Faut que je dorme. Ouais, je manque juste de sommeil. Allô ? Allô ? Allô ? Salut. Je t'entends. Moi aussi. J'arrive pas à comprendre ce qui fonctionne. Emma ? Je... Ouais ? Ok. Ok. Salut. 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 Comment tu vas ? Oui, et tout va... Ah, pardon. Non. Vas-y. J'ai raté ton... J'étais en mission quand t'as appelé et... Pas de problème. J'étais pas... Non, vraiment, pas de problème. Alors, comment ça va? Comment c'est le monde en surface? Ça va. Au boulot, c'est intense. Une nouvelle sous-espèce de Zosteracée a été découverte, alors j'essaye de l'intégrer à mes cours au dernier moment et les thèses sur la Vibro Parahemolyticus sont... Eh bien, enfin, tu vois quoi. Tout va bien. Génial. Super, génial. Et toi? Comment ça va? Oh... Fatigué. Mais... De la bonne fatigue, je suppose. Unitrench reste Unitrench sur les questions de contrôle qualité, mais... Tu sais... Contente de savoir que ce grief est toujours justifié. Ouais. Donc, T'as eu mon message? Oui. Ouais, je l'ai eu. Mais je... C'est... Je suis inquiète, Stan. Pour toi. Non, je veux pas que tu... C'est pas sain, Stan. Ça fait 3 ans. Arrête. Je t'aime. Et tu me manques. Mais te cacher ne va pas... Non, s'il te plaît. Écoute. Et tu n'es pas le seul à souffrir. Mais... On ne peut plus vivre là-bas. Dans ce passé. Et j'ai besoin de t'avoir avec moi. Maintenant. Je suis là. Je suis avec toi. Enfin, j'ai envie d'y être. Mais je te dis, Emma... J'ai besoin de temps. Du temps pour quoi, Stan? Parce que, de mon point de vue, tu fais du surplace. Je suis désolée, je voulais pas. Oh, mon Dieu. Tout ce que... Écoute, j'ai entendu qu'une tempête arrivait et je voulais... Quoi? Emma, ça coupe. Allô? Je veux pas perdre une autre partie de ma famille à cause de cette boîte. Putain! Elle est tellement... Mais elle peut pas avoir confiance en moi. Nom de Dieu! J'ai seulement... besoin de temps, c'est tout. Ah, le lit est froid. Ah, si seulement... Bon. Ok, au lit. Mais... Je suis ici.
Le navire. Regardez au bout là-bas. Tu... Boum, la ça doit être sa fille. Qu'est-ce que tu veux? Hé, hey. Hey. Reviens. Qu'est-ce que tu fais? Je... Pearl. Ma Pearl, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ma petite Pearl. Papa t'aime tellement. Tellement fort. Ah. Ok, ok, ok. C'est aujourd'hui le grand jour. Du café. Ouais, obligatoire. Envie d'un peu de nouveauté ce soir. Un chili con carne? Est-ce qu'il faut le nettoyer? Non, non, ça va. Idéal. Qui aurait cru que je rencontrerais l'amour de ma vie ici? Désolé, Emma. Oh, vicieux le courant ici. Ouais, pas de doute. Il faut durcir la structure. Voyons le menu du jour. Tim? Tim, réponds. Salut. Je vais t'appeler. Il faut que tu... C'est déjà fait. J'ai relevé les missions. Je suis prêt à partir. Bravo. Je suis désolé, Stan, mais je vais devoir te laisser. J'ai une réunion importante, une histoire de chaîne de production. Bien reçu. Bonne chance. Terminé. Ouais, à plus tard. Non, j'ai dit j'arrive. Quelles sont les missions? Puis des géodes. Bon, pas de bêtises aujourd'hui. Allez, au boulot. Ok, ça m'a l'air solide. Ouais, ça devrait tenir.
pour le moment. Je pourrais aller à la surface, voir un peu où on en est. Rentrer. Elle est toute petite. C'est jamais une bonne idée d'entrer dans une grotte inexplorée. Pas de bêtises, hein? Tiens, une géode. On en fait des choses avec ça. Est-ce qu'il... Ça va m'être utile. Bien. Écoutez, je l'appelle là. Stan ? Présent. Nouvelle tâche. Les Tholiens ne veulent pas que la tempête affecte leur bilan. Mais la réglementation interdit de faire tourner la raffinerie quand les conditions sont mauvaises. Donc, on va augmenter le rendement, jusqu'à ce que la tempête arrive.
Production maximum. Non, Tim, mauvaise idée. Rien que la pression, ça va... Je sais. Mais les ordres sont les ordres. Je peux rien faire. Va à la raffinerie. Je t'expliquerai la procédure. Quoi, je suis ici? Regardez. Stan, désolé d'avoir été... Je voulais pas... Chercher mon... Oui. Comment ça va, toi, en ce moment? Ça va. Ça va bien, même. Ça m'aide de... Ça m'aide de m'occuper. Ça fait combien de temps, maintenant, depuis que... Enfin... Depuis Pearl? 3 ans. 2 mois et 17 jours. Je suis tellement désolé. J'arrive même pas à imaginer ce que ça fait à un parent de... Enfin... Et Emma, elle... Emma, c'est Emma. Elle est solide. Tu sais, je l'ai toujours bien aimée. Tu te rappelles quand vous l'avez rencontrée, toi et papa? Vous étiez pleins comme des cantines. Et là-bas. M'en parle pas. Et elle vous a couché tous les deux, si je me souviens bien. Oui, mais on avait 5 tournées d'avance sur elle. La bonne époque. Ça me manque, ce... Enfin... On ferait bien de s'y remettre. Au boulot. Ouais. Cette géode va me servir. Encore des déchets du Nitrench. Je rentre à la raffinerie. J'ai l'impression que cet épisode va durer un peu plus longtemps. De nouveaux plans pour l'établi. Parfait. Un genre de... géode. À la raffinerie. D'abord, on va rentrer à la base. On va s'arrêter là et comme ça, on fera la suite dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, dans le prochain épisode plutôt. Je pense que ça sera peut-être l'épisode 4.
fait déjà un peu plus de 45 minutes. Chérie, je suis rentré. Lol. Donc je vous dis merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode suivant. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous voulez être prévenu des prochains épisodes. Et ciao.